Parade, le festival des arts de la rue, était de sortie ce week-end. 250 artistes, 40 compagnies, 3 jours de spectacle et vous, les spectateurs, vous étiez des milliers à avoir parcouru les rues du centre-ville en quête de poésie, d'humour et de rêve. C'est en famille, en fait chaque année je viens, franchement c'est agréable, c'est très intéressant pour les enfants ainsi que pour les adultes. Il y a des spectacles, des cirques, des magiciens, des marionnettes, donc tout le monde s'amuse. Franchement je suis agréablement surprise chaque année. Ça fait plusieurs années que j'y viens, j'habite à Nanterre et j'y vais depuis que je suis petite. Et c'est toujours un plaisir d'y aller. Là, j'étais partie voir un spectacle qui parlait de 4 personnes qui sortaient, je crois, d'un asile et qui faisaient un spectacle, des chansons, et ils s'amusaient à faire de la musique avec une fausse voiture. Je trouve que c'est vraiment sympa, que chacun puisse mettre un peu sa touche et toutes ces choses-là. Et voilà, moi, c'est pour ça que j'aime Parade aussi. Dès le vendredi soir, le festival 28e du nom commençait en fanfare au sens propre. Comme au sens figuré, avec pas moins de 9 spectacles jusqu'à la nuit tombée. Donc hier soir, on a assisté au bal musical, donc c'était chouette. On n'a pas dansé, mais on a écouté. D'accord. Et puis, on est des fidèles de Parade, on vient chaque année. On adore le concept. Ça évoque l'imaginaire, le côté improvisation, et puis c'est un côté magique. Ah bon, moi j'aime bien déambuler dans les rues et voir des choses nouvelles. J'aime beaucoup les spectacles qui se baladent dans les rues, qui nous accompagnent d'un côté et de l'autre, c'est sympa. Le lendemain, réveil en douceur, avant les quelques gouttes de pluie de la fin d'après-midi. Bienvenue au parapluie d'Urdur, la pyrotechnie. Donc ouais, le festival, moi j'adore, donc, c'est sympathique, hein, sans son et juste avec un bout de bois, il fait rire les gens et voilà, c'est impressionnant. C'est un festival très, je sais pas, la générosité, l'enfance, je sais pas, un peu l'invasion d'une ville par des spectacles. Chaque spectacle est différent. La poétique, le partage aussi, la création, pour moi c'est les mots qui me viennent à l'esprit. Ciel clément et pied au sec le dimanche. Dommage pour les compagnies Arrosé et Cumulus. Rendez-vous l'année prochaine.